Allô tout le monde, c'est Myriam, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens ce vendredi pour moi avec un haul parce que j'ai reçu quelques boîtes puis j'ai été en chercher. Fait que comme c'est ainsi, on va comme faire des vidéos de juste des hauls et des unboxings. Fait que on start la machine. Je viens d'aller chercher à la pré-vente de la distillerie Trois Lacs. Donc, les Trois Lacs. Les nouveautés qu'on va retrouver à la SAQ, pour moi, c'est une grosse amour avec cette distillerie-là. Tous leurs produits à date, c'est des énormes coups de cœur. Fait qu'on start ça. Fait que je vous montre les nouveautés. Fait que premièrement, ils ont sorti leur nouveau gin. Même pas. C'est un rhum, excusez-moi. On rembobine. Leur nouveau rhum aromatisé au pamplemousse rose. Et ils conseillent même de faire un petit drink qui s'appelle le Ocean Drive. Du pamplemousse, de la limonade et des rondelles d'agrumes, tout simplement. Que celui-là. Et la deuxième qu'ils ont créée, c'est un gin à l'orange sanguine. Fait que là, encore une fois, on n'a pas d'idée, mais en tout cas, fait que ça, c'est les deux grosses nouveautés du moment pour l'été. Et je les ai déjà goûtées, mais là, j'en ai racheté. C'est parce qu'en fait, ils étaient sortis trop vite à la SAQ, je pense. Fait que c'est des petites canettes de limoncello spritz. C'est délicieux. Ça goûte un mélange de limonade et de genre prosecco, genre comme un mousseux, genre avec des bulles. Si vous aimez le spritz qui est fait comme plus avec une liqueur comme amère à l'orange, ça là, c'est définitivement, c'est bon, 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 c'est merveilleux. Fait que là, j'ai acheté deux fois chacun parce que je veux les offrir à ma belle-mère qui est aussi tripe sur cette entreprise-là. J'ai acheté parce que j'en avais jamais encore pris. Eux sont déjà à la SAQ, c'est le rhum épicé. Qu'on me dit que du bien. Fait que j'en ai acheté une bouteille. L'autre chose que je n'avais pas, que je voulais me procurer, c'est justement, je pense que j'en ai même pas partout dans mon bar. C'est du triple sec. Fait que une liqueur d'orange. La bouteille est juste belle. Fait que j'en avais juste pas. Puis là, j'ai vu qu'il y avait autre chose dans mon. Oh, ils m'ont commis des petits sous-verres. Oh, en pamplemousse. Oh, cute! Wow! Fait que voilà, ça m'a coûté 250$ pour m'acheter tout ça. J'aurais pas de points SAQ, mais au moins j'encourage une entreprise de ma région directement parce que ben, ça va directement dans leur compte en banque. Fait que voilà, j'ai tout acheté ça. Deuxième entreprise locale que j'ai encouragée, c'est la cabane à sucre côté de Metz de Kim de Metz que j'aime vraiment, vraiment beaucoup suivre. Elle fait comme 2 ou 3 ans, il me semble. 2 ans, je pense. Je pense que c'est ma 3e commande à vie. Ou 2e commande à vie. En tout cas, plus pas ça. Que j'encourage Kim et je ne prends que son sirop d'érable d'année en année. En tout cas, me semble, ça fait 3 ans. En tout cas, peu importe. Si Kim passe par là, laisse-moi nous en commentaire. Mais son sirop d'érable est tellement bon. Puis, à chaque année, elle fait des comme produits complémentaires. Puis, j'en ai acheté quelques-uns. J'ai commandé 3-4 affaires. Ah, miam, ça va être tellement bon. J'en ai même pas mangé encore cette année. Fait que, premièrement, des cornets au beurre d'érable, une boîte de 6. Mais j'ai aussi pris les cornets au beurre d'érable, mais avec du chocolat au lait. Oui, chocolat au lait par-dessus. Puis elle utilise le chocolat au lait, il me semble, de chez Chocolat Favori. Fait que voilà pour mes deux premières, puis le reste va être d'autres choses. Un autre bord. J'ai pris, c'est un combo celui-là, fait que Daniel, je l'aime beaucoup aussi. C'est premièrement du beurre d'érable, de 1 et de 2. Fait que ça c'est comme un combo que tu peux acheter. Fait que 2 beurres d'érable. Ça c'est le fun, parce que je pense que ça va passer très vite avec moi. Après ça, 2 sucres d'érable. Comme ça, fait que le sucre d'érable, tu peux l'utiliser comme n'importe quel sucre normal pour sucrer whatever que tu veux. Mais c'est aussi bon dans ton café, c'est aussi bon pour faire des pâtisseries à l'érable. Tu sais, mettons comme l'autre fois, l'année passée, j'avais fait un gâteau à l'érable. Mais j'ai pris du sucre d'érable pour faire mon gâteau à l'érable.
on y va dans ce sens-là. Puis j'en ai vraiment, il m'en restait quand même un peu beaucoup de l'année passée. Fait que j'ai repris juste 4 cannes de sirop d'érable. Parce que je pense que l'année passée, j'en avais pris 12, puis j'avais un petit peu, peut-être beaucoup exagéré sur le nombre, ou j'étais très optimiste sur le nombre de sirop d'érable que j'allais consommer au courant de l'année. Fait que, tout simplement. Fait que là, j'ai pris 4 cannes. 4 cannes! 1, 2, 3, 4. Fait que ça ressemble à ça. Fait que là, Kim, je pense que soit qu'elle va réouvrir peut-être son entreprise ou non. Je pense que moi j'ai acheté dans ma. Je pense que c'était comme la 2000 clients. 2 millième. C'est quoi mon numéro de commande? Ah, oh, 4003. Oh. Ça marche pas. Je pensais que c'était comme la 2003. En tout cas, peu importe. Peu importe, c'est juste vraiment le fun. Fait que j'ai vraiment hâte. Est-ce qu'on goûte un petit cornet ensemble chez. C'est parce que là, on arrive tard dans l'année, puis j'ai toujours pas mangé mon premier cornet. Parce que j'étais comme tellement mindée, j'étais comme « Ah oui, ça va être vraiment genre celui-là que je vais manger. » Fait que j'avais vraiment hâte. Fait que... on y arrive. On va prendre celui-là. Gâtons-nous. Cheers! C'est comme ça que j'aime. Au milieu ici, là, faut que ce soit comme ça. J'aime pas quand c'est de la cire d'érable dans le fond. J'aime quand c'est genre du beurre d'érable. C'est bon avec du chocolat. J'ai jamais mangé ça de même. Excellent. Miam, 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 miam. J'adore. J'adore. Non, on va le finir après la vidéo. Et dernier colis que j'ai commandé. Amazon! J'ai commandé 5, 3, 4, 5 choses, je pense. Les choses que j'avais besoin. Parce que ça ne tente pas d'aller au calendrier. Ni entre mon ongle. Il semble que la boîte est petite pour ce que j'ai commandé. En tout cas, on va voir ça. Moi, dans ma tête, il manque des choses. Fait que premièrement, nous avons. Ah ben non, c'est vraiment comme ça. Je me suis acheté une hose à jardin, puis ça vient de même. Là, vous allez me dire, mais qui commande une hose à jardin sur Amazon? Ben, je vous réponds, Bibi ici, bonjour. Je sais pas, ça me tente pas d'aller au Canadair. Même si oui, ça y tentait, moi, ça me tente pas. Fait que là, j'ai vu ça, j'ai vu une hose à jardin sur... Ah, ok, ça c'est pour tenir ta hose à jardin, d'accord. Première étape. Là, je vous explique, c'est parce que je vais faire mon jardin, puis on n'a pas de hose à jardin, pas en tout à l'appartement, c'est pas inclus dans le bail, puis personne n'en a. Fait que je me suis dit, ben là, moi, je vais être wise, je vais m'en acheter une, puis on va m'en servir quand l'une fait que là, puis en plus, il y a même un beau petit sac de rangement. Puis là, écoutez, là, j'en ai même pris une qui a le il y a le gun! Ok, là, c'est peut-être pas le meilleur gun au monde entier, mais il y a un gun! Puis, c'est vraiment bizarre. Mais je pense qu'elle va faire l'affaire. Elle est toute molle. Là, ce que j'ai compris, le but, là, c'est que tu mets ça de même. Ça, tu l'accroches par-dessus ton une entrée d'eau. Puis là, ben ça, dans le fond, tu... En tout cas, là, vous comprenez, là? En tout cas, ça m'a coûté 30$, là. Laissez-moi une chance, là. J'ai... Écoutez, la fille pour son jardin. C'est juste pour mon jardin. C'est juste pour ça que j'ai fait ça. M'investis, moi, dans mon jardin. Écoutez, qu'on va commencer bientôt. Je pense que c'est autour de la fête des mères que je commence mon jardin. On s'investit à fond. C'est pour Will. C'est des stretch. Je lui ai acheté un kit de stretch en silicone. Des piercing tunnels. Que... Tout simplement, je cherche comme ça. Puis comme ça. Fait que là, dans le fond, c'est un petit kit. Là, ça valait 13$. C'est en silicone. Là. C'est super mou. Mais il les a toutes. Puis dans le fond, c'est niaiseux. Là, parce que là, moi, j'ai acheté genre, tu sais, les gros. Là. Genre, ça fait des bagues. Ça fait des bagues. Sauf que techniquement, Will, il va genre utiliser le plus petit. Faudrait que je trouve. Mais genre, Will, là, il y a comme du 2 mm.
Je pense que c'est lui. Fait qu'imaginez la différence là, comme dans le kit, parce que c'est moins cher de pogner un kit que d'acheter. Fait que techniquement, le Will, là, il prend juste ça, comme le tout petit ici. Mais j'achète le gros kit. Fait qu'au pire, on va soit le vendre, soit le garder, ou peu importe, ça coûtait moins cher acheter tout au complet. J'ai même été dans un salon de piercing pour voir, pour y acheter des stretch. Puis le gars, il est comme, commande ça sur Amazon, c'est bien moins compliqué. Ok, fait que c'est fait. Reste ça, next thing. C'est quoi? Solid brass comfort grip. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est-tu mon Y? J'ai acheté ça parce que qui dit être en appartement dit ben c'est pas juste à toi la hausse à jardin. Ben ça c'est ma hausse à jardin, sauf que l'entrée d'eau n'est pas juste à moi. Fait que je me suis procuré un Y. Là, dans le fond, le but, c'est de mettre ma hausse à jardin de ce côté-là. Puis, si quelqu'un d'autre veut brancher sa hausse à jardin, parce que moi, c'est clair que je mets un tag marqué propriété de mon appartement, mon nom puis mon appartement, fait que, en bonne citoyenne que je suis, en bonne... voisine d'appartement, j'ai acheté un deuxième entrée d'eau. Écoutez, moi, je suis folle à ce point-là. Là, écoutez, moi, je pense aux autres en envie. On pense pas juste à moi, je pense aux autres. Je pense à mon besoin, mais ça m'a coûté un beau 15$ pour... ma collègue est comme, ben, pogne ta facture, puis divise-la dans tous les appartements, puis envoie-le. Tout, vous me devez 2$ si vous voulez vous servir de mon entrée d'eau. J'étais comme, ouais, peut-être pas. Je vais assumer mon 15$. Fait que ça, écoutez, là, moi, je me trouve vraiment une bonne citoyenne, là. Vraiment une bonne. L'autre chose que j'ai acheté, ça. L'autre fois, on me parlait de mon petit psoriasis. Je sais que j'en parle, vous le remarquez, tout le monde le voit. Fait que je me suis acheté un des shampoings, des top shampoings de peau psoriasis que j'ai trouvé sur Internet. Fait que là, c'est de Royce Derm. Et c'est le... Je peux pas prononcer ce premier mot-là. Seborrhéique, dermatitis et psoriasis shampoo. Fait que, en tout cas, ça a l'air qu'il était vraiment bon. Il est devenu en spécial sur Amazon. J'ai eu une alerte. Je l'ai commandé. Ça finit là. Je vous en reparle. Il y avait vraiment des bons reviews en plus. Fait que je suis comme, ok, on va l'essayer, on va l'essayer. Next thing! On finit pas là, on finit pas. Ici, c'est quoi? Oh oui, ça, c'est de chez Amazon. Amazon. J'ai acheté ça parce que l'autre fois, je suis venue pour faire des sidekicks, mais. Au micro-ondes. Au micro-ondes. Là, je voulais l'essayer au micro-ondes parce qu'à chaque fois que je le fais dans... à chaque fois que je fais mes sidekicks, là, tout bouillonne et éclabousse, puis il n'y a plus de liquide par là. Fait que, tenez. Fait que là, j'ai lu. Il fallait. Même pour mon sucre à crème, j'ai lu ça pour le hiver, là. Je lui fais un sucre à crème, puis j'avais pas la bonne affaire. Fait que, checkez-moi bien avec la pro. Avec... La plus grosse dose à mesurer qui existe. Il me fallait une 8 litres. Fait que mon... 8 cups, excusez-moi. Fait que j'ai... Mon Dieu, c'est ma main qui shake. J'ai acheté la plus grosse tasse à mesurer. Écoutez, j'ai une tasse, deux tasses, quatre tasses. Puis il me fallait le 8 tasses. Fait que ça coûte 20$ acheter ça. Fait que j'ai acheté ça. Il fallait l'acheter, fait que je l'ai acheté. C'était pour faire mes sidekicks, puis mon... mon sucre à crème, écoutez, on se donne, hein? On se donne en cuisine. Moi, je déteste pas avoir quelque chose dans la vie. Fait que je le voulais, je l'ai. Bon, je suis rendue à avoir une pile de boîtes. C'est correct. Mon beau-frère déménage, je vais lui donner. Non! L'autre fois, j'ai demandé sur Instagram et sur TikTok, si vous me suivez pas, qu'est-ce que vous attendez? Quels étaient les meilleurs biker shorts? Et là, j'ai ma belle Kat Charrette, des vlogs de Kat Charrette. Qui m'a dit, Myriam, je t'envoie le lien. Elle m'envoie un lien Amazon des parfaits biker shirts. C'est les Along Fit. Si vous voulez, dites-moi en commentaire, je vais vous le donner, là, le lien. Là, je n'ai pas de boutique Amazon, encore une fois, mais j'ai mis. Elle n'est pas affiliée. Là. Si vous cliquez sur ma boutique Amazon, elle n'est pas affiliée. Vous pouvez commander ce que vous voulez. Moi, je ne reçois pas une scène. C'est bien parfait. Comme ça, c'est encore plus véridique. Genre. Fait que j'ai commandé les meilleurs biker shirts selon Kat qui me disait que c'est les meilleurs. Oh. Ouh! De un, ça file vraiment biker shirt. Tu sais, ça file
Ça file, ça va tenir. Oh, j'aime ça. Des poches d'un bord, des poches de l'autre. Je pense que j'aime comme le motif. Ouais, je pense que ça va faire comme. Tu sais, ça va être flatteur. C'est ça que j'ai besoin, moi, dans la vie. D'être flatteur. Puis ça a l'air de monter un petit peu haut. Fait que là, j'en ai plein, là. J'ai eu 10 magasins à essayer de Biker Shirt. Là, j'ai pris sur Amazon, mais définitivement, je vais sûrement vouloir une deuxième paire. Fait que je vais continuer mes recherches. J'étais au Costco, il n'y en avait même pas à mon Costco. Il n'y avait même pas de Biker Shirt. Fait que je vais continuer mes recherches. Mais, fait que ça sert à ça. Et voilà, des Biker Shirt. Il était comme 30 quelques pièces. Fait que voilà, 15 minutes plus tard, je vous finis mon gros haul. Puis on se revoit pour une partie 2. Écoute, j'ai passé une commande hier. C'était le solde chez Sephora. Fait que sûrement que la semaine prochaine, je vais recevoir. Puis je vais pouvoir l'inclure dans cette vidéo-là. Parce que là, ben, je commence à pas mal tout acheter là, pour ce week-end. Puis là, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas été à l'épicerie. Fait que ça aussi, il faudrait que je le fasse. Fait que sur ça, je vais finir mon petit cornet qui est délicieux. Hier, j'avais plein de bonnes motivations. Dimanche, je me suis dit je vais aller à l'épicerie. Puis finalement, ben, durant ma journée, ça s'est pas concrétisé. Fait que je me suis dit, ben, je vais continuer à écouter Stats parce que j'ai commencé à écouter ça. Je suis juste rendue à l'épisode 25, laissez-moi une chance. Puis je me suis dit, ben, écoute, je vais faire mon épicerie en ligne, puis je vais faire la cueillette pour demain. Donc j'ai été sur superc.ca, je ne suis pas sponsorisée. Et ça m'a coûté un total de 91,49 sous. Fait que je vous montre ça, il me semble que j'ai pas tant de stock pour 100$, mais j'ai comme toute une liste d'épiceries dans mon téléphone, dans la section tâches, puis que je coche quand j'achète. Puis là, j'avais pas mal accumulé de bébelles que c'est pas nécessaire, mais là, je me suis dit comme, bon, on va les acheter, ça va passer. Fait que c'est pour ça que je suis comme 100$ de bébelles. Mais en même temps, j'ai plein de comme produits de substitution. Fait que là, je suis comme pas sûre si je paye le même prix ou non. Ah non, c'est ça, ils me donnent un rabais. Fait que là, mettons, ici, j'avais pris des macaronis. Mais j'avais pris la marque Sélection, puis ils ont mis un petit collant ici de produits de substitution. Fait que tu sais, ça valait comme beaucoup plus cher. Fait qu'ils ont comme mis un rabais pour comme compenser. Fait que j'ai comme plus de qualité que pas, mettons. Fait que j'ai acheté ça. Après ça, j'ai pris des drums. Ils étaient-ils spéciales, ces petits drumsticks-là? J'ai vu ça, je pense que c'est dans la circulaire. J'ai comme miam, j'en veux. Fait que là, les drumsticks, mais il faut absolument que ce soit vanille caramel. C'est bref que j'ai. Puis je me suis dit que, ben, tant qu'à faire, ouais, je pense qu'il aimerait aussi que je prenne des sandwichs à la vanille, comme ça. Pour nos plats plus comme chinois-asiatiques, j'aime bien ça avoir des vermicelles. Fait que des vermicelles de riz pour soit qu'on mange ça souvent comme General Tao ou autre plat asiatique. Comme ça, mettons, ça c'est un produit parce que j'avais pris le No Name, puis là ils m'ont mis la marque comme Real Lim. Fait que ça c'est pour comme plein de choses. Là en ce moment, Will il prend pas mal beaucoup dans ses Whisky Sour. Fait que j'avais besoin de ça. Ça fait vraiment longtemps que j'avais des escargots. Fait que dans ma liste. Fait que là, je me suis dit, là, mets-en dans ton panier. Là, j'étais tannée de voir le mot escargot dans ma liste. Puis arrêtez pas de monter plus haut. Ah, miam, ils ont fait le design des jalapenos tranchés marinés. Moi, c'est dans mes taco bowls, sur mes nachos. Dès qu'on mange mexicain, j'adore mettre des jalapenos puis tranchés. Deux sauces à poutine Saint-Hubert, c'était comme 1,50 chaque. Fait que j'en ai pris deux, c'est toujours bon à avoir sous la main. J'aime ça aussi les avoir en canne, mais là, ben, c'était juste moins cher tout simplement en sachet. Fait que je me suis dit, ben, je vais les faire moi-même. Des patates déjeuner, on n'en avait plus, puis j'ai aucune idée si c'était en spécial ou non. Mais je m'en suis achetée. Après, si j'avais besoin de nouilles aux œufs, ça c'est vraiment bon, mais là j'ai l'impression qu'il en manque pas mal, mais en tout cas, des nouilles aux œufs, moi j'utilise avec ma sauce de boulettes sauce aigre douce, mais c'est très très bon pour. Il me semble que. Ouais, faible teneur en gras et en sel, fait que si jamais, là, c'est une bonne alternative de pâtes à avoir. Oh, là, c'est toutes les pâtes que j'ai achetées.
Fait que c'est ça, j'avais pris la marque Sélection, c'est la marque moins chère, là. Fait que j'ai pris Linguini, Spaghetti. Là, j'arrive, faut que j'arrête, là, parce qu'à chaque fois, je m'achète des spaghettini, puis ça vaut pas de la... En tout cas, je trouve ça bien compliqué. Fait qu'il faut des spaghettis, puis des fettuccini. Fait que là, j'ai fait comme l'épicerie de pâte, puis hop, j'avais aussi pris des fusilli, mais de la marque Sélection. Puis ils me les ont donné en substitution, fait que j'ai payé comme le même prix que la marque Sélection, mais pour la marque Primo. Après ça, j'ai pris de la laitue Boston tout simplement. Je trouvais que la romaine était encore un peu chère. Mais je vais devoir l'envisager parce qu'une bonne salade César, c'est bon avec la romaine. Mais j'adore vraiment la laitue Boston de Mirabelle. Après ça, je me suis pris un 2 du lait, tout simplement. 2%, je prends tout le qui est bon, c'est le moins cher, je m'ostine pas. Fait que j'aime bien ça. Après ça, pour Will, j'avais acheté l'autre fois au Costco plein de petits yops, mais il manquait aux pêches. Fait que là, j'en ai pris 1, 2, 4 yops aux pêches. Fait que j'imagine que ça va être bon pour cette semaine. On continue. Je me suis pris une bonne limonade. J'avais vraiment le goût de ça. Puis, justement, l'autre fois, j'ai acheté en fin de semaine le rhum au pamplemousse de chez Distillerie Trois Lacs. Puis, il fallait justement qu'il y ait une. La recette, ça combinait de la limonade puis du rhum. Fait que je me suis dit, ben, je vais m'en acheter une. Puis, comme ça, je vais pouvoir me faire le drink à la maison. Une petite couronne de brocoli, c'est toujours bon à avoir un peu de légumes à la maison. Quand t'achètes des légumes, ça vient sinon comme ça. Fait que là, j'ai pris juste un piment parce qu'il était comme. Pas donné. Moi, je pensais que ça venait comme les trois piments ensemble, mais finalement, c'est né qu'un seul. Fait que j'ai pris le rouge, c'est rouge, soit pour des crudités, soit pour de l'eau, parce que je veux vous montrer qu'il est vraiment pas si pire que ça. Tu sais, genre, c'est un piment que genre, j'aurais pris, si c'est moi qui l'aurais acheté. Je me suis pris un petit boursin au ail et fines herbes. Que c'est toujours bon, tu sais, j'adore les plateaux charcuterie, fait que pourquoi pas avoir un bon, toujours un fromage sous la main. J'avais pris un capice des yeux, mais il n'y en avait pas, fait qu'ils me l'ont juste pas mis sur ma commande. Les tomates raisins étaient en spécial, puis ça, des tomates raisins, j'aime vraiment ça avec dans mes taco bowls, c'est délicieux. Vous voyez, je parle souvent des taco bowls, c'est un de mes repas préférés. Je me suis pris de la tadiki parce qu'il y a du poulet. Ça serait vraiment bon, fait que genre pita au poulet, gyro au poulet, whatever. Fait que je me suis mis tout ça, c'est toujours bon à avoir. Après ça, de la crème sure, je me suis pris la 14%, puis j'ai pris la marque Sélection parce que c'était la moins chère. On embarque dans du gelé, fait que j'ai pris du sorbet aux framboises. Will, il adore ça, le sorbet, fait que je me suis pris, je nous en ai pris. Et j'ai aussi pris tout le temps, je pogne tout le temps les deux quand il y a ça, au citron aussi, ça c'est son préféré, fait que j'ai pris ça. Et la dernière chose que j'ai pris au Super C, c'est, oh mon dieu, un malheureux petit céleri, chose qui était pas cher. Hey, il n'y a pas beaucoup de branches, ça n'a aucun sens. Fait que c'est ça. Et dernière chose, j'ai été, parce qu'il manquait plusieurs produits comme je vous dis, il manquait genre comme 5 produits, dont un que je voulais vraiment, vraiment, vraiment. Fait que j'ai été au IGA et j'ai été nous prendre du thé glacé pour Will parce que c'est la semaine qui en tout cas, chaque semaine il boit du thé glacé. Fait que j'en ai pris 3 puis ça m'a coûté 10,95 pour 3 thés glacés. T'sais. Mais bon, il en voulait vraiment, ça me dérange pas, je lui achète. Fait que ça ressemble à ça puis je pense que je vais comme sûrement vous jumeler la vidéo avec d'autres choses parce que je me semble qu'elle est bien bien courte. Fait que c'est ça! Dernière partie de ce unboxing haul de tout ce que j'achète. Écoutez, j'ai recommencé à faire des vlogs sur seulement pour les exclusifs. Juste le temps de me remettre là-dedans puis je vous reviens en force dans quelques temps, mais je vais recommencer, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas abandonné les vlogs, c'est juste que je suis en train vraiment de faire comme, de me pratiquer justement comme faire une coupure entre, dans le fond c'est juste mon but, c'est d'enlever tout ce qui a rapport à ma job en général, juste parce que comme ça m'a tellement fait du mal, ça m'a tellement nuit.
Fait que c'est ça. Fait que je suis juste en train de me pratiquer. tu sais, à filmer à des moments opportuns. Puis, tu sais, comme faire attention à ce que je dis. Puis tout quand je parle de ma job. Fait que je vous reviens en force des taux. Mais si jamais c'est les exclusifs qui ont un. Ils ont comme mon bac de mes vlogs en test. Puis je reviens bientôt. Fait que c'est juste que j'ai besoin de reprendre. De reprendre sur moi avant de revenir. Hey! Écoutez, c'était la vente Sephora. On a vu vraiment, vraiment beaucoup de créateurs de contenu. Et là, j'ai un petit jugement envers ma boîte. Parce que j'ai vu tellement de monde avoir des énormes box. Puis là, moi, je suis comme... Mais après ça, je me suis rappelé ce que j'ai acheté. Puis j'ai acheté... exactement ce qu'il y avait dans mon panier depuis vraiment longtemps, puis exactement des produits que je voulais, j'avais besoin, j'ai pas exagéré, puis je suis fière d'avoir comme, ça m'a coûté à peu près genre 70-75, fait que je suis vraiment fière de moi. So, découvrons ensemble ce que j'ai acheté à la vente Sephora. Fait qu'il y avait le 10% de rabais et il y avait le 30% de rabais si t'achetais du la marque Sephora. Fait que je vous montre comme exactement le contenu. Ça ressemble à ça. Fait que premièrement, ah oui, j'avais eu ça à 100 points. Une crème pour les yeux de Glow Recipe. Je ne connaissais pas ça, mais écoutez, j'ai pris, mais j'avais des points. Fait que ça m'a coûté 100 points pour un gros échantillon. Et j'ai pas demandé ça, mais écoutez, j'ai eu un masque revitalisant en profondeur de Brio Gio. J'ai pas commandé ça, mais écoutez, sûrement que c'était un échantillon. Ah, l'autre échantillon, j'ai failli l'acheter le gros format. C'est l'huile teintée pour les lèvres de chez Rare Beauty. Fait que c'est de Selena Gomez. Puis il y a aussi comme un blush liquide. Ça, ma soeur, elle l'a. Fait que ça, c'est définitivement quelque chose que j'ai le goût d'essayer parce que tout le monde parle du blush, tout le monde parle de l'huile. L'huile était même genre presque baccarat dans plusieurs couleurs. Fait que j'aime, oh mon dieu, fait que c'est sûr que je veux l'échantillon. Souvent, tu sais, les échantillons, je vous les donne en. Mais là, ça, je pense que je vais le garder pour moi. Puis j'avais un autre 100 points. Ah oui, c'est ça! Le Fluff Up Brow Wax. Mais ça aussi, je pense que je vais me le garder parce que j'ai vraiment le goût de l'essayer sur mes sourcils. Fait que dans le fond, c'est vraiment fait pour... c'est une cire souple, texturisante pour les sourcils. Ça me tentait vraiment de l'utiliser pour moi. Écoutez, des fois, j'étais un petit peu trop généreuse, mais là, des fois, on peut peut-être les garder. Là. Fait que c'est de Benefit. Ah, c'est ça, ok. C'est vraiment comme... On fait comme les Beauty and Saga YouTube, là. Ok, en tout cas, on va tester ça ensemble dans un... sûrement un vlog. Fait que ça. Après ça, on embarque dans ce que j'ai acheté. J'ai acheté 4 choses! J'avais 2 affaires à 100 points. Fait que mes 100 points, c'était ça. Puis ça, c'était mes échantillons. On suit. Allez, premier produit. Je voulais un autre produit de chez La Neige. Puis là, j'ai pris le... Bon brillant pour l'élève aux saveurs de senteurs, saveurs de bonbons gourmands. Fait que j'avais bonbons gourmands, bonbons ourson. Fait que j'avais vraiment le goût d'avoir comme quelque chose, c'est ça, comme pour l'élève. Moi, c'est... J'aime beaucoup trop les produits à lèvres. Là. J'adore ça. Puis, j'adore. Puis, c'est ça, j'ai le masque pour les lèvres. Mais là, j'étais comme, est-ce que ça me tente d'avoir un deuxième masque pour les lèvres? Parce que ça dure comme 3 ans, ce masque-là. Fait que tant qu'à faire, je me suis dit, achetons un autre produit que je vais autant utiliser. Puis là, j'avais vraiment hâte de sentir. Fait que, let's try this. Si, voyons voir, ça fait des belles lèvres. Oh, à date. Miam, les goûts de malicher les lèvres, mais non. Ah, j'adore l'effet glossy. Senteur, odeur, goût. J'adore, définitivement mon genre, vraiment contente. C'était comme 22$. Fait que,
J'adore. Je vais aussi le tester puis vous en reparler pour voir si ça fait comme moi ce que j'aime dans les produits. Pour que je qualifie quelque chose de bon, c'est souvent ça me donne pas l'impression de devoir tout le temps en remettre. Si c'est ça, s'il y a un effet asséchant, cancel le produit. Fait que je vais continuer à tester. Next thing que j'ai acheté, ça c'est parce que j'ai terminé le mien dans une autre couleur. C'est un ombre à paupières liquide de chez Stila. Là, vous allez me dire que c'est ça. Puis je l'ai pris dans la couleur Kitten. Fait que je vous montre, c'est quand même pas donné. Puis c'est vraiment comme, c'est ça, un ombre, c'est du glitter à yeux, mais pas donné. Puis, ça m'a pris longtemps, là. L'autre m'a pris au moins comme, il est vraiment vieux. Fait que je vais me faire un petit swatch. Fait que c'est comme un rose gold. J'avais le or. Fait que, on va juste vous le swatch pour vous le montrer. Wouh! Wow! Ok. Ça là, sur les yeux là, insane! Genre, ça reste là. Ça a juste pas de sens. Fait que gros coup de cœur, ce produit-là, c'est ça. J'étais en train de le terminer, puis quand même, il est sec rendu là. Je l'ai dans la couleur Starlight. Fait que je sais pas si on voit un petit peu, là, mais lui, il a un petit peu de rose, puis lui, il est plus gold. Fait que là, je me suis procuré lui. Ça, c'est un produit coup de cœur. Je me suis dit, allez, rachète-toi là parce que l'autre est presque fini. Tu le mérites. Fait que ça. Après ça, je me suis pris un de chez Sephora. Il y a ben trop de... Comme je vous dis, j'adore les produits pour les lèvres. Il y en a beaucoup trop chez Sephora dans la collection rouge velouté sans transfert. Et là, j'ai pris la couleur 85 qui est Rosewood. Fait que je vais faire un petit swatch parce que là, ben, j'en ai déjà... Je veux pas enlever ce que j'ai sur les lèvres. Fait que ça, il y avait comme 30% si t'achetais chez de Sephora. Fait que là, j'ai regardé les autres marques puis tout. Puis là, si j'avais quelque chose à conseiller, ça serait vraiment du Charlotte Tilbury. Vraiment gros coup de cœur. Mais il m'en reste encore. Fait que je suis comme, je suis capable de t'offrir jusqu'au prochain événement avant de m'en racheter, tout simplement. Wow! Fait que, testons ça. J'ai vraiment checké les couleurs. Là. J'ai essayé de prendre quelque chose qui allait être joli. Oh, je pense que je vais aimer ça. Moi. Oh, ça sent bon. Ça sent comme la vanille. Oh mon dieu, checker le combo. Ça serait fou. Genre ça sur mes yeux, ça sur mes lèvres. Là. Ça serait fou comme combo. Fait que j'ai acheté ça. Puis, dernier produit, c'est niaiseux, mais je me suis... C'est pas niaiseux, c'est parce que j'ai vraiment essayé d'en acheter sur Amazon, mais ça vient en paquet de 15. Puis là, je suis comme, qu'est-ce que c'est ça? Fait que là, c'est un duo outil soin pour les lèvres double en bout. Là, vous allez me dire, Myriam, qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi t'as acheté ça? Écoutez, moi, j'adore le produit, le masque pour les lèvres La Neige. Gros coup de cœur. Ça fait partie de ma routine. Matin et soir... Bon, je vais pouvoir... Puis, malheureusement, ben, j'ai pété l'embout qui donne avec. Fait que je peux plus... Ça va juste mal, du coup. Là, j'ai cherché une alternative. Puis là, j'ai découvert ce petit produit-là. Fait que je me suis dit, on va se l'acheter. Bon, on va finir par l'avoir, gang. Wow! OK, donc, alors, d'un côté, nous avons de l'exfoliation. Fait que vous voyez les deux sortes d'embouts. C'est vraiment pour faire comme sur tes lèvres. Et l'autre côté, c'est lui qui m'intéressait le plus. Ce n'est pas un applicateur, l'ancien applicateur pour les ombres à paupières. Ça ressemble à ça, back in the days. C'est vraiment fait pour justement aller dans mon masque pour les nuits, masque de nuit de la neige. Mais vous voyez comme, il y a comme un gros gap, là, vous voyez. Au moins un centimètre là. Fait que là, tu essaies de mettre tes lèvres à l'intérieur, ça va pas bien. Puis la neige donne un petit embout qui s'est cassé en moins de temps pour le dire. Fait que le but, dans le fond, c'est de prendre ça puis de venir scraper à l'intérieur. Puis après ça, c'est de venir l'appliquer sur votre lèvre. Tout simplement. Écoutez, ça m'a coûté
c'est quoi, genre 15$, ça m'a coûté 15$. Mais là, pour ça, je me suis dit, bon, on va trouver une utilité, là. Je vais m'exfolier les lèvres avec ça, là. Avec genre, je sais pas quoi, genre du sucre. J'ai peut-être un produit, un exfoliant pour les lèvres. Fait que, c'est ça, c'était ça mon haul. C'est ça mon haul que j'avais à vous présenter. Tout ça, ça m'a coûté, c'est ça, là, comme... Je suis pas tant une grosse fan. Ben, j'adore Sephora, j'achète toujours à chaque, mais je ne suis pas une fan de, comme, buster mon budget, puis j'ai tellement de maquillage. J'en ai juste tellement, puis je veux comme pas en acheter trop, puis pas le passer, parce que, justement, tu sais, rendu là, je n'aime pas avoir une grosse collection. Tu sais, j'ai déjà deux blushs, deux highlights, deux bronzers, des fonds de teint, des bébés crèmes, des... J'ai déjà tout! Puis que dire de mes produits pour les lèvres? J'en ai déjà beaucoup trop pour comme ce que je suis capable de faire. Fait que... Mais je sais qu'il y en a qui adorent avoir des grosses collections, là, tu sais. Je vous bâche pas, là. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que... Je pense que... J'en ai trop, moi, personnellement, pour ma petite collection. Fait que ça ressemble à ça. Fait que là, je voulais juste, finir le vlog ici. Des fois, assez long, selon moi, fait qu'avec mes swatchs. Si jamais vous avez apprécié ça, just let me know en commentaire. Le gagnant va être annoncé, je pense, genre, dimanche. Je vous laisse encore. Fait que si jamais vous avez pas vu la dernière vidéo, il y a un concours dedans. Puis sinon, comme toutes les vidéos, oh, par exemple, ça s'attache un petit peu. Oh, on n'aime pas ça, on n'aime pas ça. Bon, j'en ai me laver les mains. N'importe où. Fait que c'est ça. Puis ce que je voulais dire, c'est ça. Je voulais remercier en fait toute la gang d'exclusifs. Si jamais ça vous tente de vous joindre, c'est 2,99 par mois. Dans le fond, ce que souvent on me demande, ça ressemble à quoi? C'est comme un Patreon. Genre, vous voyez comme des exclusivités, des messages, les vidéos en primeur. Ceux que vous voyez là, vous les voyez en primeur. Parce que j'essaie de mon gros possible. Vous avez des vidéos exclusives. Là, je pense qu'on est rendu à comme 12-13. Fait que c'est ça. Puis même si tu t'abonnes comme aujourd'hui, ben t'as les 13 en banque. Fait que genre, tu peux t'abonner. Puis ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Puis moi, ben ça me fait comme quelque chose de plus pour m'encourager. Ça fait un revenu de plus, puis ça me permet de genre plus s'en faire. C'est ça. Ok, merci à tous, passez une belle journée, puis on se voit dans la prochaine vidéo. Bye tout le monde!